Gloire au Seigneur. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Le sonorisateur me dit que le top départ est donné pour que l'enregistrement se fasse. Alors nous vous saluons à vous qui êtes au-delà au des murs, qui nous écoutez ce soir. On va faire une lecture ensemble dans Jérémie, chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au cinquième mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis Ah, Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quatre verbes négatifs, deux verbes positifs. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie Je répondis Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu Je répondis Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit C'est du septentrion, nord-est, que, que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays car voici je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion dit l'éternel ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de jérusalem contre ses murailles tout alentour et contre toutes les villes de juda je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté parce qu'ils m'ont abandonné ont offert de l'encens à d'autres dieux et parce qu'ils se sont, sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains et toi saint terrain lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Judas, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Voilà Jérémie, premier chapitre. Jérémie est avec... Euh, Esaïe et Ézéchiel, l'un des trois grands prophètes d'Israël, non seulement à cause de la taille de son livre qui a 52 chapitres plus les Lamentations de Jérémie, mais aussi parce que Jérémie est la référence la plus citée dans le Nouveau Testament. Même les païens connaissent quelque chose de Jérémie. « Arrête tes jérémiades », connaissez cette expression, hein quand on a affaire à quelqu'un qui, qui se morfond, qui pleure. « Arrête tes jérémiades », tu vas cesser tes jérémiades un petit peu Jérémie est souvent appelé le prophète de malheur euh, parce qu'il prévient Israël des malheurs qui vont l'atteindre. Jérémie vit dans un monde troublé, troublé politiquement, troublé religieusement. Son pays est troublé parce qu'il est coincé entre deux grandes puissances. Au sud, il y a l'Égypte et à l'est, il y a tous ces pays. Qui sont gouvernés quelque part par Babylone et par Nebuchadnezzar par la suite. Sur le plan religieux, il y a quelques soucis parce que le roi Josias a fait une découverte archéologique. En fait, le roi Josias veut une réforme religieuse parce qu'ils ont trouvé dans le sous-sol du temple un livre qu'on appelle la deuxième loi. Ce livre, c'est le Deutéronome le cinquième livre de la Torah, hein, du Pentateuque, Et cette loi est difficile à mettre en place parce qu'on a affaire à un peuple qui, qui ne fait que ce qu'il veut, on a affaire à un peuple qui veut copier les autres peuples, on a affaire à un peuple qui veut vivre comme les autres. Donc, euh, ce n'est pas possible de mettre cette loi en place. C'est dans ce contexte que Jérémie est appelé à servir Dieu. C'est dans ce contexte que Jérémie est appelé à sa vocation, celle d'annoncer un message. Qui n'est pas à la mode du tout, qui n'est pas dans l'air du temps. Euh, il doit annoncer non seulement la désolation pour le peuple, il doit annoncer pire que cela, la destruction du temple de Jérusalem. Vous parlez qu'avec de telles paroles, on n'a pas envie d'entendre ça, quoi. Mettez-vous la place du peuple. Personne n'a envie d'entendre ce genre de lamentation. Hein, un message négatif, un message qui met tout le monde je ne sais où, là, en, en confinement quelque part, un message qui nous dit qu'on va en avoir et puis en plus on va perdre nos temple, on va perdre euh, tout cela. Le peuple veut quoi Le peuple veut chanter, le peuple veut danser, le peuple veut, veut, veut profiter, le peuple veut se faire du bien. Se faire du bien. On est venu pour se faire du bien. Hein le peuple, c'est cela qu'il veut. Euh, comme la cigale en été, vous savez, c'est cela. On est en 627 avant Jésus-Christ. Il va s'écouler 40 années avant que Jérusalem ne soit effectivement détruite. Avant que tout ce que va annoncer Jérémie ne soit accompli. Et Jérémie sera emprisonné lorsqu'il apprendra que son peuple est emmené captif eh bien, par Nebuchadnezzar. Quand Jérémie demandait au peuple de changer de vie, personne ne l'écoutait. On lui interdisait même de parler aux abords du temple, même pas dans le temple, mais aux abords du temple. On lui interdisait de venir jusque dans Jérusalem. Quand Jérémie demande au peuple d'accepter même un joug ennemi, on le jette dans une citerne. Jérémie sert Dieu dans un temps critique, un temps de crise. L'exercice du ministère n'est jamais facile, l'exercice de la vie chrétienne n'est jamais facile. L'exercice pastoral n'est pas chose facile. Là, il est question de l'exercice prophétique. Et, et comme tous ceux qui sont appelés par Dieu, Jérémie ne choisit pas de devenir prophète. Je ne sais pas ce qui te concerne, je ne sais pas ce qui concerne Bosco. Moi, je n'ai pas choisi de devenir pasteur. Ce n'était pas dans mon désir de tout petit, ça. Moi, je voulais mon restaurant, je voulais mon affaire. Ben oui. Et là-dedans, quand même, il grandissait quelque chose pour Dieu que je ne comprenais pas, que Dieu a mis en œuvre en son temps. Mais euh, comme tous ceux qui sont appelés par Dieu, il n'a pas choisi de devenir prophète, euh, de parler de la part de Dieu. Mais dans son cas, il n'a pas pu échapper à cette tâche, parce que Dieu le dit au verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, toi, Jérémie, pas, pas tout le monde, hein, ce n'est pas une parole que j'adresse à tout le monde, dit Dieu. Mais toi, Jérémie, avant que je te dise allemand, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant, avant. Mis à part, consacré dès la naissance, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi. Prédestination mais la prédestination n'est pas ce que beaucoup pensent injustement. Les uns prédestinés au salut, les autres prédestinés à l'enfer. Sinon, c'est pas la peine de prêcher l'Évangile. Comprenez euh, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité, et parviennent à la repentance. Ça, on sait ce que, c est, c est ce que Dieu veut. Mais la prédestination d'un homme est uniquement son devenir par rapport à la volonté de Dieu. Alléluia. À son appel. Et la condition pour la, la réalisation euh, de ce dessin, c'est l'association, c'est la coopération, c'est l'obéissance de celui qui est appelé. Est-ce que vous comprenez ça C'est ça qui va amener. Ainsi, Dieu peut avoir beaucoup de glorieux desseins pour ses enfants, pour chacun de ses enfants, pour chacun d'entre nous. Mais tous ne se réalisent pas. Parce qu'il y a d'un côté l'initiative de Dieu, son appel, son choix, son dessein pour ta vie et pour le service qu'il attend de chacun. Mais il y a d'un autre côté aussi la liberté, la docilité, la soumission, l'écoute, la maniabilité, l'obéissance qui vont déterminer le succès ou l'échec de ce dessein dans la pensée de Dieu. Et des amis peuvent perdre des années parce que c'est marche avant. Un pas et deux pas de marche arrière. Deux pas en avant, trois pas en arrière. Eh oui, ben comme ça, ça peut aller jusqu'à la mort. Hein. Mais il arrive un moment où il faut savoir, décide-toi. C'est dans Jérémie qu'il est écrit aussi, choisissez qui, qui vous voulez servir, comme dans Josué. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu vives. Bref, Jérémie, c'est un être à part. Pourtant, c'est ce qui a interpellé. Mon cœur, quand j'ai préparé, quand j'ai relu ce passage, il est l'un des sacrificateurs d'Anatote. Anatote, c'est vers Vorep, c'est vers Saint-Imier. Saint non, je me suis dit, c'est où ça, Anatote Anatote, c'est pas très loin de Jérusalem, mais Anatote, c'est une ville de refuge pour les meurtriers. Vous vous rendez compte ça vous éclaire déjà un petit peu Ça vous met la puce à l'oreille, tout ça Jérémie est issu d'une famille de prêtres qui vit dans une ville de refuge. Oh Qu'est-ce qui s'est passé Les prêtres, normalement, ils n'ont pas à se réfugier comme des meurtriers. Non Les prêtres, ils vivent à Jérusalem ils vivent près du temple. Mais là, cette famille porte une blessure. Un ancêtre de Ilkija, Jérémie, nommé Biatar, a trompé jadis dans un complot contre Salomon. Alors bien sûr, ils ont dû se réfugier à Anatote. Eux et toute leur famille, parce que toute leur descendance est condamnée, qu'ils soient prêtres ou pas paraître, qu'ils soient ce qu'ils soient, ils sont réfugiés dans cette ville. Ils ne peuvent même pas en sortir ni exercer ailleurs la prêtrise. C'est pour cela que ses descendants sont, les descendants de cet homme-là sont relégués à Anatote sans avoir la possibilité de vivre ailleurs. Ils ne peuvent plus pratiquer comme prêtres en dehors d'Anatote. Ce n'est pas possible. Ainsi, Jérémie est un fils de prêtre et, comme descendant d'Anatote, il est aussi exclu de la prêtrise. Vous vous rendez compte et, c'est pourtant Jérémie que Dieu appelle à Anatote. C'est extraordinaire, non Trouvez pas Dieu l'appelle lui, Jérémie, dans cette ville de refuge. Dieu inclut Jérémie dans son projet en faveur du peuple d'Israël, pas que de cette ville de refuge, mais en faveur du peuple qui est en dehors de la ville. Pour dire à ce peuple ses quatre vérités, pour dire à ce peuple son avenir, pour dire au peuple que si ce peuple est infidèle, Dieu lui demeure fidèle. Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. De dire au peuple aussi que Dieu est digne de confiance. Et ça, finalement, Jérémie, il l'apprend là à Anatote. Il apprend que Dieu est digne de confiance. Parce que cette confiance, Jérémie est en train de la vivre. Parce qu'en sachant. Que Dieu vient le chercher là, à Anatote, dans son bourbier, dans cette ville vraiment de refuge, eh bien Jérémie découvre que Dieu ne rejette pas toujours même des prêtres maudits. Jérémie découvre que Dieu ne fait exception de personne. Comprenez Donc Jérémie commence à mettre sa confiance en Dieu. Et il sait qu'on peut faire confiance en Dieu. La vocation, le service de Jérémie va s'inscrire dans dans un contexte embrouillé, difficile, plein de tensions. J'ai relu Jérémie ces dernières semaines-là et je me suis dit purée, quel bonhomme. Il ne sert pas Dieu dans un contexte facile. Et on ne sert pas le Seigneur dans un contexte facile. Et on ne servira jamais le Seigneur toujours dans un contexte facile. Où tout marche bien, où la sono est bien réglée, où il y a des bons chants, où il y a... Où y a, où y a... Non, 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 non. C'est pas comme ça. Parfois la planche est savonnée. Parfois le terrain est miné. Je sais pas si. Hein parfois le terrain est miné. Parfois, euh, parfois dans le service, il y a plus de remontrances que de paroles d'encouragement. Parce qu'après avoir fait cela, 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 et cela, on vient nous dire qu'il manque encore cela. Enfin, pas à vous, hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire Il manque toujours quelque chose pour satisfaire tout le peuple, pour satisfaire tout le monde. Et il y a plus de remontrances que d'encouragement. Et il faut s'y faire quand on veut servir Dieu, vous savez. Il faut s'y faire à ces paroles qui sont des paroles qui peuvent tuer. Il faut s'y faire à ces paroles qui ne sont pas toujours d'encouragement, qui ne sont pas toujours agréables. Il faut s'y faire. Avec le temps on s'y fait, croyez. Avec le temps on s'y fait. Et après on se dit, Seigneur, il n'y a que toi. Bref, certains ne s'y font pas et risquent d'abandonner tout service. Dès qu'il y a la moindre remontrance, non, je ne viens pas. Le pasteur ne m'a pas dit bonjour. On ne reconnaît pas mon travail. On ne reconnaît pas ceci, on ne reconnaît pas cela. Vous comprenez? Non, ce n'est pas à Grenoble, hein. Je parle d'une ville fantôme. Je parle d'Anatote <laughs> ou de Jérusalem. Hein Mais vous savez, là, certains ne s'y font pas aux reproches, à, aux médisances, à toutes sortes de choses. Et, et ils risquent d'abandonner leur service. Dieu merci, il ne faut pas qu'ils abandonnent le Seigneur. Hein La vocation de Jérémie n'est pas de se faire du bien n'est pas de se faire plaisir dans un quelconque service. La vocation de Jérémie, c'est d'obéir au Seigneur. Et obéir, c'est pas facile. Et obéir, ça n'a jamais ré... quelque chose de plaisant toujours dans un premier temps. Obéir. Vous vous rappelez la première fois qu'il a fallu obéir étant petit mmh. on, on apprend. Sans qu'on nous l'apprenne, on sait dire non étant petit. On nous l'apprend pas ça. Mange non. Tout petit déjà, on fonctionne comme ça. La mission de Jérémie, elle est difficile et elle est authentifiée par deux visions, celles qui sont mentionnées ici au verset 11. Que vois-tu Jérémie Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel lui dit, tu as bien vu parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Deux symboles, la branche d'amandier puis une chaudière bouillante. Euh, en hébreu, le mot amandier signifie aussi veilleur. Ou, ou le verbe hâter. Et, et on sait, chacun ici sait que l'amandier fleurit dans la fin de l'hiver, avant même que le printemps n'arrive. L'amandier est déjà en fleur, avant que l'hiver soit complètement fini. L'amandier veille, l'amandier hâte le printemps. Il est porteur d'espérance. L'amandier nous dit que la vie, elle est plus forte que le gel, le, le grand froid de l'hiver. Et, et, et ce veilleur n'est autre que Dieu lui-même. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur chacune de nos vies quand on la lui confie. Et Dieu n'oublie pas son alliance. Dieu n'oublie pas chacune de ses promesses. Si nous, on est oublieux même de nos prières faites à Dieu, Dieu ne s'en souvient. Dieu s'en souvient. Dieu n'oublie pas son peuple, ni ses promesses, ni chacun de celles et de ceux qui l'appellent. Dieu veille. Même s'il si y a la dure réalité du Covid, Dieu veille. Même s'il y a la dure euh, euh, réalité du moment, Dieu veille, comme il veillait sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est ce qu'exprime ce qu aussi ce deuxième symbole, quand il est question de, de chaudière bouillante, de cette vision d'une chaudière bouillante. Euh, ce chaudron désigne la menace qui va venir du septentrion, c'est-à-dire du nord-est. Avec les troupes de Nebuchadnezzar qui vont envahir, qui vont détruire le temple et qui vont emmener les, les, le peuple d'Israël avec des crochets dans la bouche, tels des animaux, jusque dans leur pays. C'est la menace des troupes de Nebuchadnezzar qui s'apprêtent à envahir le pays, un chaudron bouillant. Hein ce n'est pas le chaudron d'Astérix et Obélix, mais c'est. Tout en annonçant la radicalité de la parole de Dieu, Jérémie annonce aussi la promesse de ce Dieu qui n'abandonnera jamais son peuple. Il ne peut pas l'abandonner. C'est son peuple. Et l'autorité de Jérémie va, va prendre racine dans la confiance qu'il fait à Dieu, qu'il met dans le Seigneur. Et c'est une confiance qui est mise à l'épreuve sans arrêt. Une confiance qui est mise à l'épreuve physiquement. Jeté dans la citerne, maltraité, c'est une confiance qui va être mise à l'épreuve moralement. Jérémie va se retrouver tout seul en prison. C'est une confiance qui va être mise à l'épreuve euh, au travers de menaces permanentes. Il y a des fois il y a des conditions pour servir Dieu où c'est pas la joie. Hein dans des familles, pensez à notre sœur qui va se faire baptiser. Je l'ai citée tout à l'heure, Chloé. Toute sa famille est hostile au fait qu'elle prenne un nouveau baptême. Pensez à elle dans vos prières. Que lorsque s'il y a quelques gens, ça, pourtant, avec Benjamin, on était à son mariage et les gens étaient très contents du message, étaient heureux comme tout. Mais là, le fait qu'elle s'engage, oulala, là là, ça réveille des hostilités. Dans tout son service, Jérémie ne va rencontrer que des difficultés. Eh oui. L'Église, n'est pas toujours facile, hein? Je ne le dis pas en tant que pasteur, mais je le dis en tant que chrétien. Ce n'est pas toujours facile, pas vrai Mais c'est l'Église. Mais on y a notre place. Et il faut garder cette place, Alléluia. Et, et, et c'est emprisonné en Égypte que, que Jérémie verra l'accomplissement de la prophétie. L'histoire de Jérémie nous met en face d'une vocation, d'un service qui, qui n'est pas facile à, à assumer. Si on vous dit que c'est facile la vie chrétienne, c'est faux. Il faut du courage. Il faut de la volonté. Il faut de la persévérance. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Le livre de Jérémie, quand vous le lisez, tout le récit alterne en permanence entre les confessions de foi de Jérémie et ses interrogations profondes. Ces confessions de foi et ses lamentations, ses pleurs, ses cris. On peut lire que Jérémie ose dire à Dieu son désespoir, ses doutes, toutes ses questions, mais tout autant qu'il affirme sa confiance encore en Dieu. Jérémie va même faire à un moment donné des reproches au Seigneur sur la violence de sa mission. Il ne comprend pas pourquoi Dieu l'envoie là, pourquoi Dieu a voulu ça pour lui. Je ne sais pas toi, mais moi aussi, je me suis posé les questions comme ça des fois. Hein. Seigneur, pourquoi tu. J'étais bien. En 7.4. <laughs> Seigneur, tu sais toute chose. Tu sais toute chose. Et Jérémie va garder la foi. Il va pouvoir même dire et prophétiser que jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Alléluia. Ben ouais. J'aime bien Jérémie. Il n'a pas demandé à être prophète, à être serviteur de Dieu. Mais il a quand même répondu, obéi à l'appel de Dieu. C'est le gars qui obéit. Il a servi au sein de la difficulté. Il a continué d'obéir. Il a eu le sentiment parfois de se sentir abandonné, mais, mais Jésus aussi à la croix ce sentiment-là. Vous aussi, chacun d'entre nous, il a quand même eu ce sentiment d'être tout de même accompagné, sachant que Dieu est au-dessus de tout et accomplira toutes choses en son temps, avec ses hauts et ses bas, avec ses forces et ses faiblesses. Jérémie, ce n'est pas un super-héros. Hein. Nous, on est habitués à la télévision, aux super-héros depuis notre enfance. Mais dans la Bible, il n'y a que des hommes et des femmes semblables à nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Ce n'est pas un super-héros. C'est un homme semblable à nous. Et il a prié et Dieu a fait tomber la pluie du ciel. Il a prié et la pluie s'est arrêtée. Il a cru, il a obéi. Et Dieu a fait avec Jérémie, Dieu va utiliser Jérémie, Dieu va faire avec un, euh, tout l'ensemble de la personnalité de Jérémie, qui plaît ou qui ne plaît pas, parce que si le prophète doute de Dieu et de la mission qu'il est confiée, eh bien je me rends compte que Dieu, lui, ne doute pas de son prophète, et que Dieu croit en son prophète, que Dieu croit que son prophète va mener à bien sa mission, parce qu'il l'a appelé, parce qu'il est avec lui. Je me posais un petit peu certaines questions et je vais arrêter là. Euh, ça, ce n'est pas la parole de Dieu que je vous dis là maintenant. Alors, je ne sais pas si je devrais terminer comme ça, mais. Bon. Si le monde dans lequel on est là, en ce moment, était en pleine mutation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous Ouais. On est tellement habitué aux jours d'autrefois. Seigneur, comme disait Jérémie, reviens et nous revenons, fais-nous revenir au jour d'autrefois. On aimerait bien, hein? Là j'ai mis 80 chaises dans la salle, il n'y en aura pas une de plus pour dimanche, je serai là en plus dimanche, parce que les deux derniers dimanches on était au-delà et c'est une chaise sur trois et un rang sur deux. Donc la salle fait qu'on peut mettre 81 chaises, mais pas plus. Sinon on est dans l'illégalité. Si ce que nous connaissons, ce que nous connaissions était appelé à disparaître, à changer pour un temps. Si dans l'Église, un autre fonctionnement devait se mettre en place, avec lequel on n'est pas habitué, un autre pasteur se met en place. Il y a eu le temps d'Arswat, il y a le temps de Cabot, il y a le temps de Tobal. Amen. Et même Alléluia. Non Eh oui. Donc, il faut sans arrêt se réadapter et apprendre. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur est aux commandes. C'est lui qui tient les commandes. Si nous devions inventer même de nouvelles manières de construire demain, au niveau de l'évangélisation, au niveau de, du fonctionnement, je ne sais pas, mais si ça dure, ce n'est pas prêt de s'arrêter, notre affaire de masques et de compagnie là. Hein ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc il faut bien se dire qu'il va falloir fonctionner avec pendant un certain temps encore. Et un temps certain. Le Seigneur, viens nous aider. Hein. Qu'on ne soit pas bloqué, qu'on ne soit pas arrêté, et se dire Bon, ben, quand ce quand sera comme autrefois, je reviendrai. Eh bien, peut-être que d'ici là, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Hein. Souvenons-nous, comme Jérémie, que Dieu a appelé à Anatote, que Dieu n'appelle jamais des gens capables, mais que Dieu rend capables ceux qu'il appelle. Alléluia. On n'était pas capables de faire de la vidéo, on n'était pas capables de faire ces trucs-là. Moi, j'y comprends rien. En tout cas, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Mais Dieu a rendu capables ceux qui s'en occupent. Et merci Seigneur. Parce que les choses ont continué. Alléluia. Et les choses vont continuer. Parce que les choses, elles appartiennent pas à un pasteur. Elles appartiennent au Seigneur. C'est l'Église du Seigneur. Donc nous voulons compter sur lui. Alléluia. Et même s'il y a des temps difficiles comme Jérémie, eh bien, on a le droit d'exprimer notre incompréhension au Seigneur mais on a le droit de lui dire aussi qu'on compte toujours sur lui, hein, qu'on espère toujours en lui. Alléluia. Il y a un verset peut-être avec lequel je peux terminer. Dans Lamentation de Jérémie 3, 19 à 25, ça vous connaissez. Hein. Lamentation de Jérémie 3, 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, vous n'êtes jamais approprié ces versets-là quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel est de la bonté pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et il est bon d'attendre en silence. Le secours de l'éternel, d'attendre en silence. Hein Ce n'est pas dans le mutisme, mais dans, dans la confiance. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa, sa jeunesse. Alléluia. Quand je pense à l'absinthe et au poison, on nous fait plus boire de ciguë aujourd'hui. Hein il n'y a plus tellement de poison, mais il y a des choses qui nous empoisonnent quand même l'existence. Hein non Pas vous Il y a des choses qui parfois nous empoisonnent l'existence. Hein quand je pense à cela, et eh bien voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. La peur peut m'empoisonner l'existence. Je ne veux pas dire la haine, mais le, le mauvais sentiment à l'égard de quelqu'un peut m'empoisonner l'existence. Le manque de pardon peut m'empoisonner l'existence. Le, 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 le péché, le désespoir peut m'empoisonner me, peut, peut, peut l'existence. Quand ces choses-là prennent leur place, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et il est même capable d'aller chercher un gars à Anatote, une ville de refuge pour meurtriers, une ville où les gens sont maudits quelque part. Ah, vous ne croyez pas qu'il peut venir nous chercher, nous Amen. Que Dieu soit béni. On vous fait coucou à vous qui nous regardez. Et nous, on va encore rendre grâce à Dieu pendant une ou deux minutes et les annonces vont être faites par le pasteur. Amen. Merci.